émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne, beauté. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une tartiflette sans vin blanc. Comment cuisiner pour son mari européen? Aujourd'hui, un petit classique de la cuisine française, c'est un gratin, un plat d'hiver très réconfortant. Moi, mes filles apprécient vraiment beaucoup ce plat et comme elles n'aiment pas que je cuisine avec du vin, cuisine au vin ou à la bière, tout ça, c'est pas trop notre délire. Donc nous, on a adapté nos recettes. Voilà. Je vais vous présenter tout de suite les ingrédients qui vous seront nécessaires pour réaliser cette tartiflette plutôt. Tout de suite, les ingrédients. Pour réaliser cette tartiflette sans vin blanc, nous aurons besoin des ingrédients suivants. À peu près 1,5 kg, voire 1 kg, ça peut aller aussi, de pommes de terre. 200 ml de crème épaisse, c'est de la crème fraîche entière. 250 g de lardons, du sel, du poivre et du fromage à tartiflette. Normalement, le fromage à tartiflette, c'est le fromage reblochon. Et dans la grande distribution, enfin dans un supermarché, on trouve ce fromage. Je l'ai goûté, c'est très bon. Je fais ma tartiflette avec. Il est très grand. Mais il faut savoir que si vous voulez le vrai fromage, c'est du reblochon et souvent il est petit. Alors là, il faudrait en mettre deux. Donc celui-ci, je vais un petit peu voir si c'est combien de grammes. On a 500 grammes, donc voilà. Si ça avait été un tout petit, ça aurait été 200 grammes. Voilà, donc le fromage pour tartiflette et 200 ml de bouillon de poule pour remplacer le liquide, l'apport de liquide qui normalement se fait avec du vin blanc. Mes recettes sont adaptées parce que même lorsque je propose des recettes comment cuisiner pour son mari européen, je tiens compte que le conjoint pourrait être une Africaine qui a du mal avec la cuisson au vin, à la bière. Donc simplement remplacer le bouillon par du vin si vous voulez faire la recette originale. Voilà. Donc des pommes de terre, des oignons, de la crème épaisse, des lardons, du fromage pour tartiflette, du sel, du poivre et notre bouillon de poule. Nous avons tous nos ingrédients et là nous allons pouvoir passer au fourneau. La tartiflette est un gratin. La tartiflette est un classique de la cuisine française. Je vous invite à aller sur Google si c'est la première fois que vous découvrez la tartiflette et vous verrez toutes les déclinaisons de cette recette tellement populaire et tellement appréciée. Allons tout de suite au fourneau. Au fourneau, donc nous avons coupé les pommes de terre en rondelles, on les a fait cuire, on va les égoutter. Pendant ce temps, on va faire revenir un peu de beurre pour commencer la préparation du reste. Voilà, une fois le beurre fondu, on va d'abord mettre les oignons. Les trois oignons qu'on a émincés. Voilà, lorsque vous faites des recettes européennes, il ne faut pas trop vouloir adapter en disant chez nous on met ceci, cela. Il faut essayer de rester dans la recette. Les produits, s'ils sont frais et bons,
la recette sera tout aussi bonne. Les oignons sont en train de sentir très bon, le mélange beurre-oignon, je vous assure que c'est pas triste, c'est bon. Je vais mettre un peu de sel, très peu, parce que les plats à base de fromage, il faut faire attention, le fromage, c'est très salé à la cuisson. Je vais mettre un peu de poivre. Et voilà. Quand ça commence à bien prendre, on a déjà les oignons qui commencent à être un peu fondus. On peut rajouter les lardons. On remue et on cuit pendant environ 10 minutes. Hein. Voilà, là c'est bon, hein. C'est bon, nos lardons sont juste bien, voilà. Voilà, maintenant nous allons nous occuper de notre plat qui va aller au four. Donc dans un plat, on met une partie des pommes de terre, voilà. Sont déjà placés. Ensuite, on va mettre le mélange lardon oignon que voici. Voilà, on laisse une partie. Ensuite, quand on a fait ceci, on peut mettre le reste de pommes de terre. Je mets un peu par-ci, par-là. Voilà. Pour que ce soit bien réparti, en fait, on fait des couches. Puis, on va mettre encore le reste de lardon. On met un peu partout. Ensuite, on met le bouillon de poule qui va remplacer le vin blanc. C'est pour parce qu'il doit avoir un peu, c'est mouillé quand même, ça va avoir du goût. Je vais chercher une cuillère, on va mettre la crème fleurette, crème épaisse. Voilà, donc on a mis pommes de terre, mélange lardon, oignon, bouillon. Maintenant, je vais mettre la crème, crème fraîche épaisse. Voilà, que voici. Je vais en mettre un peu par-ci, par-là. À la cuisson, tout va bien se mélanger, ça va fondre. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si
On n'en met pas bien partout. C'est juste bien de dispatcher. Comme ça. Alors là, on va saler, poivrer. Très peu de sel. Et le poivre un peu plus généreux. Un peu de poivre, un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Et là, pendant tout ce temps, notre four est en train de préchauffer à 190 degrés, 190 degrés. Et notre fromage pour tartiflette, on l'a coupé en 4. J'ai ouvert dans le sens de la longueur. Ensuite, j'ai coupé. Et là, on va venir le placer sur la préparation. Et ça va fondre à la cuisson. Il y en aura bien partout. Oui. Je l'ai coupé en 4. Donc, j'ai d'abord ouvert au milieu et puis j'ai coupé encore en 2. Voilà. Donc ça ici, c'est notre fromage, on peut mettre dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça va fondre et ça sera bien. Donc c'est le fromage qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez? Je vais vous montrer ça. Voilà, ça donne ça. Et ça va être enfourné, on y va, go go go. On va mettre ça au four, à peu près 190 degrés, thermostat 6 ou 7. Voilà, je vais mettre au four. Mais ici, un petit détail, normalement, quand on fait la tartiflette, on met le fromage dans ce sens-ci. Et moi, j'ai mis dans l'autre sens parce que mes filles préfèrent cette méthode-là. Donc, je vais en garder un dans ce sens-là. J'ai adapté ma recette. Voilà, on va enfourner. Voilà, notre tartiflette est sortie du four. Il ne nous restera plus qu'à la couper. Et ce sera juste bon. Plaisir d'hiver. La tartiflette est vraiment un plat hivernal. Ça donne ça. Il ne reste plus qu'à présenter. Voilà, on a coupé notre tartiflette. Elle est prête, ça donne ça. Voilà, je répète que c'est une recette un peu adaptée, donc pas de vin blanc. J'espère que ça vous aura plu. Essayez de refaire ça chez vous. Et l'émission Moseka de Maléa Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui fait l'émission Moseka de Maléa Moderne. Break the shadow star.